Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue devant le Gaming News, votre endroit de l'actualité des jeux vidéo du lundi au vendredi à 7h du matin. Aujourd'hui, trois sujets qui vont être, qui vont nous occuper pendant 10 à 20 minutes. Il y a plein d'autres actualités, mais il y en a certaines que je voulais absolument traiter aujourd'hui. En fait, pour tout vous expliquer, je voulais traiter une seule actualité dans ce Gaming News, et je me suis dit, je vais quand même en mettre deux autres petite entre guillemets, histoire de faire un vrai Gaming News et pas simplement une vidéo dédiée pour un sujet, parce que je sais que vous aimez les actus diverses et variées. Du coup, sommaire autour de moi rapidement, on parlera dans un premier temps du tournage du film The Last of Us, la série The Last of Us, on parlera dans un deuxième temps, et c'est le sujet central de cette vidéo, du scandale autour de PlayStation, et on terminera par un mod pour, enfin une extension pour Zelda Breath of the Wild, qui n'est pas officielle, mais qui rajoute en fait Skyward Sword à Breath of the Wild. Vous verrez, c'est très très cool. Allez, on commence dans un premier temps, avant le sujet principal de ce Gaming News, par The Last of Us. Alors vous le savez, ça y est, ça a été signé par HBO, la série The Last of Us est en tournage, et on a eu les premières images de ce tournage, avec notamment, eh bien, cette scène que vous connaissez forcément pour ce qu'elle est, qui a été partagée par un des deux acteurs sur Instagram, et vous le voyez, le personnage de Joël, alors à gauche, sur le siège passager, c'est lui qui va jouer Joël dans la série The Last of Us. Et en fait, cette scène, elle est mythique. C'est peut-être une des scènes les plus importantes, mine de rien, de The Last of Us. Alors, je veux pas spoiler. Je sais que le jeu est sorti il y a longtemps. Alors, je veux pas spoiler les tenants et les aboutissants de toute l'introduction de The Last of Us. Mais pour ceux qui l'ont fait, vous le savez que c'est le moment crucial de l'aventure. C'est ce qui détermine l'existence du lien entre Joël et Ellie dans la suite, justement, de l'aventure. En fait, hein, c'est vraiment ce moment. Là, c'est vraiment cette introduction qui forme le lien entre eux, eh bien, les deux personnages dans la suite de l'aventure. Alors, j'ai vu pas mal de monde sur internet qui était en train de s'inquiéter par rapport à cette scène en disant « Attends, mais ça veut dire qu'ils reprennent exactement ce qu'ils font dans le jeu, ça sert absolument à rien, s'ils font une série, il faut qu'ils s'éloignent du jeu. » Alors, personnellement, ça ne veut absolument rien dire dans un premier temps, parce que c'est une image, déjà, du tournage, et que cette scène, quand bien même il décide de s'éloigner un petit peu du scénario principal du jeu, c'est la scène la plus importante de l'existence de The Last of Us. Sans cette intro, The Last of Us n'existe pas. Sans cette intro, le lien entre Joël et Ellie qui est tissé tout au long du premier épisode du premier jeu The Last of Us n'aurait aucun sens. Je pense que tout le monde, tous ceux qui ont un petit peu approché The Last of Us, quand bien même vous n'avez fait que le début, vous en doutez bien. Donc, plutôt une bonne nouvelle, j'ai trouvé ça plutôt cool, et puis voilà, on sent qu'il y a la bonne ambiance sur le plateau, ça me donne ultra hâte et j'ai hâte de voir cette série. Vous savez que The Last of Us, c'est un des rares jeux qui m'a extirpé quelques larmes lorsque je l'ai fait. Ça reste à l'heure actuelle The Last of Us un des jeux qui à mon sens est le mieux écrit. Alors après, en termes de gameplay, on s'entendra, c'est très classique en termes de gameplay, hein, c'est cover tiré, mais en termes d'écriture, moi je l'ai trouvé absolument incroyable, et ça, ce n'est que subjectif, comme tout ce qui se passe sur cette chaîne. Et le prochain sujet, puisqu'on parle de subjectivité, va également mettre un point d'honneur à vous parler de quelque chose que j'ai l'habitude de mettre en avant sur la chaîne, c'est les jeux indépendants, mais c'est surtout PlayStation. Alors vous le savez, sur la chaîne, je vous partage énormément de jeux indépendants, que ce soit des jeux de Steam, des jeux Xbox, des jeux Nintendo, et étonnamment très peu de jeux sur PlayStation. Pour moi, je vous l'ai toujours dit, les petits développeurs d'aujourd'hui sont les grands développeurs de demain. Les petits talents, les petites pépites d'aujourd'hui sont les grandes pépites de demain. Et il y a un énorme scandale qui est en train de se tourner autour de PlayStation, autour de deux axes. Le premier axe, c'est notamment, eh bien, ce que les développeurs doivent payer à PlayStation pour s'offrir une visibilité sur le PlayStation Store. Et deuxième acte de ce scandale, eh bien, c'est la difficulté soulevée par les développeurs pour, eh bien, travailler avec PlayStation. Il n'est absolument pas... Comment dire ? Il n'est absolument pas question, ici, comme dans les deux articles qui vont être cités de Kotaku, d'être à charge envers PlayStation. Chaque plateforme
a ses bons côtés. Chaque plateforme a ses mauvais côtés. Mais il est important de noter, et ça va être un petit peu, atténué sur quelques domaines que ce soit dans cet article, mais il est important à noter que PlayStation ne met absolument pas les jeux indépendants en avant, et surtout, au-delà de ça, eh bien, semble effectivement se baser sur une politique triple A. Et là, on va mettre quelque chose en exergue immédiatement. Beaucoup vont dire, pour ceux qui défendent beaucoup PlayStation, d'ailleurs, ici, pas de guerre de consoles. D'ailleurs, moi, ça m'exaspère de voir cette fameuse guerre des consoles sur Internet qui est souvent mise en avant par des gens qui ont besoin de se rassurer par rapport à ce qu'ils ont dépensé d'un côté, comme si, quelque part, ils étaient actionnaires de PlayStation, actionnaires de Xbox, actionnaires de Nintendo. Les gars, vous n'êtes pas actionnaires de ces sociétés, pas besoin de vous rassurer, jouez à ce que vous voulez. Et quand bien même vous préférez une plateforme ou l'autre, n'allez pas descendre les autres plateformes. Jouez à ce que vous aimez et faites pas chier le monde. Voilà, tout simplement, c'est hyper simple de ce côté-là. Bref, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il apparaît qu'effectivement, lors de plusieurs enquêtes menées par Kotaku, des développeurs se soient plaints de la politique de PlayStation. Déjà dans un premier temps, sur cette enquête, révèle que les développeurs doivent payer 25 000 $ pour que PlayStation leur offre une visibilité sur les stores, ce qui est une somme absolument énorme. Alors, Kotaku a enquêté du côté de chez Microsoft et du côté de chez Nintendo. On n'a pas encore d'idée concernant le prix qui est nécessaire du côté de Microsoft et du côté de chez Nintendo pour mettre en avant ces jeux. Donc, on ne va pas pouvoir critiquer forcément ce prix, quand bien même c'est absolument énorme, surtout chez un éditeur indépendant, chez un développeur indépendant. 25 000 $ pour mettre en avant un jeu, c'est énorme. Et lorsqu'effectivement on a des discussions avec PlayStation, on le voit, eh bien ça peut aller jusqu'à 200 000 $ pour mettre un jeu en avant sur le PlayStation Store. Et là, on va se dire, oui, bon, bah quelque part c'est normal, tu mets en avant un jeu sur un store, donc ça coûte de l'argent à PlayStation de mettre en retrait certains jeux pour mettre en avant un autre, et ça peut effectivement favoriser la vente de ce jeu-là, donc l'un dans l'autre, ça peut être normal de mettre de l'argent pour les mettre en avant. Mais entre 25 000 et 200 000 $, surtout pour des petits jeux, pour des petits développeurs, c'est totalement prohibitif et c'est totalement impossible. Et on l'explique dans cet article, le problème c'est que ces petits développeurs et ces petits éditeurs qui ont très souvent mis leur corps et leurs âmes dans le développement de leurs jeux, mais en fait n'ont pas l'argent pour les mettre en avant. Et souvent, eh bien, ces jeux se perdent dans les méandres totalement de des PlayStation Store, des Xbox Game Store et Nintendo Store, ou pas, surtout du PlayStation Store. Et en fait, lorsqu'on lit l'article et qu'on écoute un petit peu ce qui se passe, on distingue plusieurs choses qui vont mettre en parallèle les différentes plateformes de contenu, notamment Nintendo, qui propose sur son Nintendo eShop, eh bien, des sections nouvelles sorties, jeux à mettre en lumière, etc., etc., sans forcément que le développeur ait besoin de payer quoi que ce soit. Nintendo affiche ses jeux dans des catégories précises. Pareil du côté de chez Xbox, même si, et à mon sens, c'est totalement personnel, le menu Xbox est un petit peu bordélique, quoique un petit peu moins depuis les dernières mises à jour, des jeux sont mis en avant sur le tableau de bord Xbox ou sur le Microsoft Store, sans forcément qu'il y ait besoin que ce soit payant plus que ça, puisque ce sont des nouveautés, donc ils apparaissent. À savoir également que les développeurs s'expriment en disant, eh bien, que des nouveaux jeux toutes les semaines sont proposés en termes de jeux indépendants. Si vous ne le savez pas, c'est entre 5 et 10 jeux par semaine qui sont proposés par exemple sur Nintendo en termes de nouveaux titres indépendants, plus de 50 jeux par semaine du côté de Steam, si c'est pas entre 10 et 20 par jour, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est absolument énorme. Pour pouvoir être mis en avant, ces petits développeurs, eh bien, se heurtent évidemment à ce genre de mur qui, lorsqu'il est nécessaire de payer entre 20 000 et 100 000 $ ou 200 000 $ de frais, bah, les empêche littéralement de les mettre en avant. Donc déjà, on a des frais totalement prohibitif du côté de chez PlayStation qui semble être une barrière pour ces développeurs pour mettre leur jeu en avant, là où PlayStation expliquait que c'était pour les players, pour les
joueurs. Et je pense qu'effectivement, les joueurs, ben, c'est tout le monde, hein. C'est ceux qui aiment les jeux indépendants, les AAA, les AA. Et je pense que c'est aussi un problème de communication. Beaucoup de créateurs de contenu ne mettent en avant que les jeux AAA parce que c'est ce qui fait le plus cliquer, c'est ce qui fait le plus d'argent. Et c'est malheureux parce que le jeu vidéo, ce n'est clairement pas que ça. Sur la chaîne, je me suis toujours employé à mettre les petits jeux en avant, les petits développeurs en avant, même si bah, ça représente très peu de clics et que très certainement et très souvent c'est démonétisé parce que les musiques ne sont pas libres de droit. Je me suis toujours évertué à les mettre en avant. Et je vais revenir sur un aspect aussi dans ce sujet qui est extrêmement important, où beaucoup vont dire, parce que je le sais très bien, ceux qui défendent PlayStation encore une fois, et c'était le but de ma première explication, vont dire oui mais chez Xbox et chez PlayStation ils les mettent déjà en avant, pareil sur Steam, pourquoi PlayStation y ferait pareil, il faut bien que PlayStation mette en avant des AAA, c'est très bien s'ils se focus là-dessus. Le problème, c'est que votre réflexion, les gars, elle se base aussi sur le fait que vous, en parallèle de cette information, vous dites « Ouais, mais PlayStation, c'est là où il y a le plus de joueurs. » C'est là où il y a le plus de joueurs. C'est là où ils mettent en avant les AAA et les gros budgets. Est-ce que vous pensez pas que quelque part, c'est là où il faut un petit peu éduquer les joueurs également à ne pas simplement se focus sur le photoréalisme et sur l'aspect QTE de certains jeux? Je pose la question, encore une fois, il ne s'agit pas de juger le plaisir de certains, il s'agit de mettre en exergue cette absence de mise en avant des jeux indépendants qui est proprement scandaleuse dans la suite de, cette vidéo. Vous allez comprendre pourquoi, chacun ses goûts, évidemment, certains sont moins sensibles à une direction artistique. Moi, je juge qu'un jeu vidéo, ce n'est pas simplement du visuel, c'est une direction artistique, c'est un gameplay, c'est une écriture, c'est une histoire. Certains le font très bien en termes général, certains beaucoup moins lorsqu'ils sont des ressucés d'année en année. Et là, il ne s'agit pas simplement de parler de PlayStation, hein, c'est aussi Nintendo, Xbox, etc. Ça, peu importe, c'est vraiment toute plateforme confondue. Sauf que, évidemment, les développeurs sont montés au créneau après tout cela en expliquant qu'il était très compliqué de travailler avec PlayStation. Alors encore une fois, vous retrouverez tous ces articles dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse d'aller plus loin, car nous allons simplement, entre guillemets, parler des grosses lignes en fait de ce qu'il y a tout cela. Et donc les développeurs, il y a plusieurs citations qui vont être intéressantes à prendre en compte dans cet article, notamment et bien celle-ci: il y a Nintendo qui vous soutient, puis Microsoft qui vous soutient, et il y a Sony qui prend en charge sa propre machine AAA et se fout de tout le monde. On rajoute encore une fois une autre citation: Sony ne comprend pas ce que signifie l'indie, l'indépendant. Pas du tout, pour eux, l'indie est quelque chose qui est dans des budgets totalement inférieurs et totalement inutiles pour la rentabilité. Aucune plateforme n'est géniale, mais Sony est particulièrement terrible et ils le savent, ils ont un problème depuis longtemps avec ça, et ils le disent aux développeurs qu'ils ont un problème depuis longtemps, mais ils n'ont jamais résolu ce problème en particulier. Donc le problème ne vient pas simplement du fait qu'il faut payer pour mettre en avant un jeu. Le problème est également que PlayStation ne propose pas, en fait, lorsqu'un jeu est mis en avant, et bien lorsqu'un jeu débarque sur le PlayStation Store, de le voir. Et c'est ça que les développeurs indépendants également incriminent. Alors le mot est un peu fort, parce que lorsqu'on est sur Xbox ou sur Nintendo, les jeux on peut les trouver facilement sans avoir à les chercher. Sur PlayStation, il faut absolument aller dans l'espace recherche, taper le nom du jeu et là potentiellement le trouver. Et dans cette explication, on voit par exemple un développeur indépendant qui partageait eh bien un graphique de son jeu indépendant qu'il a vendu: le rouge chez Nintendo, le vert chez Xbox, le noir sur Steam et en bleu chez PlayStation. Et on retrouve ce schéma de manière assez répété, et c'est ça qui est fou, c'est que les jeux indépendants sur PlayStation, et vous le voyez bien, quand on fait des jeux indés, on les fait soit sur Steam, soit sur Nintendo, soit sur Xbox, rarement sur PlayStation, parce qu'on les trouve rarement sur PlayStation. Et c'est assez dingue, au final, d'avoir cette vision de PlayStation, ce ne sont que les jeux avec eh bien, les gros budgets et la grosse communication. Et à mon sens, c'est pas ça le jeu vidéo. Et pour moi, c'est terrible d'en arriver à ce constat, de voir que PlayStation eh bien, met totalement ça de côté. Pour moi, c'est proprement scandaleux, parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a également le fait que, mine de rien, eh bien, PlayStation ne va totalement
empêcher les développeurs de faire des remises sur leur jeu pour potentiellement les mettre en avant dans un quelconque algorithme. En effet, il était précisé également dans le même article, eh bien que si votre magasin n'a pas d'endroit où les joueurs peuvent trouver des jeux nouveaux et intéressants, vous devez littéralement utiliser la fonctionnalité de recherche pour trouver un jeu. Alors pourquoi diable est-ce que quelqu'un donne 30%? Parce que c'est ce que demande PlayStation. 30% des revenus de chaque jeu vendus en dématérialisé leur reviennent directement dans la poche. Et les développeurs indépendants se disent, mais attends, il faut qu'on paye 25 000 $ pour le mettre en avant, plus 30% de chaque revenu, de chaque vente pour PlayStation, et en plus de ça, bah, vous pouvez pas les trouver facilement, parce que il faudra simplement avoir le nom du jeu pour le trouver, et honnêtement, comment tu veux découvrir des nouveaux jeux s'il faut connaître déjà le nom avant? C'est pas possible, tu peux pas découvrir un nouveau jeu si tu connais pas le nom. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un petit peu compliqué. Et il explique justement... Le pire, c'est que vous ne pouvez être invité à des promotions, il faut absolument... Enfin, vous ne pouvez plus configurer des remises personnalisées sur les jeux, aucune vente d'éditeurs et développeurs ne le peut. Ces invitations qui sont faites par Sony sont complètement folles. Ils proposent généralement quelque chose d'environ 40 à 50% par défaut, et vous devez faire une contre-proposition. Vous vous demanderez toujours, merde, je dois leur offrir 30% ou alors ils vont m'exclure tout simplement de leur potentiel, de leur potentiel solde et de la potentielle mise en avant de jeu. C'est donc totalement compliqué et il y a de plus en plus de déclarations de plein de développeurs qui sont mis en avant. Ce n'est plus simplement un petit scandale qui est en train d'être mis en exergue par ces déclarations, c'est un choix assumé ou pas, puisque c'est pas totalement assumé du côté de chez PlayStation, de rayer, de passer à la trappe tout ce qu'est le jeu vidéo. Rappelons-le, le jeu vidéo vient des petits développeurs. Avant de développer des AAA, ces développeurs, ils développaient peut-être dans leur garage, sur leur petit ordinateur, en solo, avant de rentrer dans des équipes. C'est ça, le jeu vidéo. Le jeu vidéo, c'est le développement par passion, avant d'être le développement pour la communication. Et franchement, ça me fait mal au cœur de voir ce genre de témoignages et ce genre de choses où effectivement on a de plus en plus de développeurs qui sont en train de témoigner sur internet de leur frustration. Justement, nous sommes un développeur assez établi avec une expérience éprouvée, mais honnêtement je n'ai aucune idée de qui contacter, même pour faire des ventes de consoles. C'est comme essayer d'être entendu dans le vide de l'espace. Je ne peux littéralement pas parler à quelqu'un sur une plateforme d'un problème, et que le problème dure depuis des semaines. Cela ne fait que créer des problèmes encore plus. Et en fait, ce qui est mis aussi en exergue dans cette discussion, c'est que effectivement chez Nintendo et chez Microsoft, tout n'est pas bleu, enfin tout n'est pas rose, mais par contre ce qui change, c'est la communication. Apparemment du côté de chez PlayStation, il y a un manque de communication, un manque d'envie de mettre en avant les développeurs indépendants, et surtout en fait une propension à ne mettre en avant que les jeux à gros budget pour cela. Et c'est assez ouf, parce que ces dernières semaines, PlayStation expliquait que finalement ils voulaient mettre de côté les jeux indépendants, que c'était leur choix pour la suite. Et puis finalement, durant le 3, on a vu des développeurs indés du côté de chez PlayStation qui étaient mis entre guillemets en avant, en disant oui, on a un studio de développement de jeux indés. Donc en fait, il y a une espèce de veste chez PlayStation qui est mise comme ça, de temps en temps, qui est retourné, on sait pas trop, pour essayer d'atténuer les forces buyers, en fait, hein, force payers, clairement, on est force payers et non plus force players. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en question la qualité des AAA de chez Sony, parce que personnellement je les adore, que ce soit God of War, The Last of Us, etc., les Horizons, machin, je les adore, vous le savez, je les ai platinés, on les a fait en let's play, je suis fan du jeu vidéo en termes général. Il s'agit dans ce sujet de mettre en exergue, encore une fois, le scandale de priver les développeurs de mettre en avant leur jeu pour faire que des productions maison. Voilà. C'est-à-dire que PlayStation, ce n'est plus une console de jeu, c'est une console où en fait on ne mettra en avant que nos propres jeux. Et moi j'ai un petit peu de mal avec ça, parce que pour une console qui effectivement est la console la plus vendue entre guillemets à côté de Nintendo, parce que Xbox, on le sait maintenant, Xbox c'est l'écosystème, PC, machin, bidule, on le sait, voilà, peu importe, c'est pas la guerre des consoles, la guerre des supports, mais pour être une des consoles les plus vendues du monde, entre guillemets, ne mettre en avant que leur propre jeu,
Je trouve que ça fait un petit trust quand même, et moi ça me fait un petit peu mal au cœur. Est-ce qu'on pourrait pas parler de trust? Je pose la question par rapport à ça. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et on va terminer avec un dernier sujet. Le Gaming News est un peu long, vous comprenez pourquoi finalement je voulais quasiment faire une vidéo dédiée. On va terminer par Zelda. Et oui, The Lost Record, c'est un new fan-made, une nouvelle extension qui apporte Skyward Sword pour Zelda Breath of the Wild. Il y a une bande-annonce qui est dispo sur YouTube, qui va justement eh bien, mettre en avant le travail qui a été fait par, par ces petits développeurs indépendants. Encore une fois, mais c'est ça, c'est que c'est des petits développeurs indépendants qui mettent, eh bien, qui mettent des mises à jour sur des jeux que Nintendo ne met plus à jour en attendant Zelda Breath of the Wild 2. Alors qu'est-ce qu'il y a dans cette fameuse extension? Le joueur charge le jeu et une voix inconnue invite Link à se rendre à la source du pouvoir pour chercher un livre. Une fois sur place, le joueur interagit avec le livre et une séquence est lancée. Link se souvient de l'aventure précédente et le joueur se retrouve dans le temple de Skyward Sword immédiatement avec une armure appropriée et une épée. Une nouvelle quête commence, à la recherche de Zelda commence. Fi indique clairement au joueur qu'elle devrait être au Skyview Spring, donc encore une fois, ce qui débarque dans Skyward Sword. Le joueur pourra trouver de nouveaux objets de Skyward Sword tels que les coffres normaux, petits et les boss. Il existe également de nouvelles alternatives d'adversaires tels que les Lysalfos, qui est immunisé contre les dégâts des bombes et les attaques électriques, il reçoit plus de dégâts des lances, etc. Le joueur arrive dans la salle du boss où attend déjà Thunderblight Ganon, nanana. Alors je vais pas tout vous spoiler évidemment. Vous pouvez avoir un accès anticipé à tout cela. Alors, je vais vous mettre le lien de l'article encore une fois en description. N'hésitez pas à aller voir si vous jouez à tout ça comme ça via les mods qui sont disponibles. Mais je trouve ça incroyable en fait l'entrain que mettent ces développeurs indépendants dans ces modes et dans cette communauté de Zelda qui est absolument gigantesque, absolument magnifique et qui continue en fait à créer ce genre de choses. Et encore une fois, ce sont des développeurs indépendants qui réalisent toutes ces choses-là et je trouve ça absolument magnifique. Donc voilà, tout ça là c'est réalisé par des développeurs indés à partir bien sûr des sprites et des bases qui sont déjà inclus dans le jeu, mais je trouve ça absolument magnifique et je voulais absolument en parler pour terminer ce Gaming News, même si celui-ci était quasiment un petit peu dédié au scandale autour de PlayStation. Encore une fois, on clôture ce Gaming News en expliquant que le sujet n'est pas du tout à charge de PlayStation. Je ne suis pas là pour charger un éditeur ou un autre. Par contre, en termes de choix, je peux m'exprimer sur les choses. J'ai beau aimer les jeux de PlayStation, j'ai un petit peu de mal avec leur méthode de communication, j'ai un petit peu de mal avec effectivement cette prise de position sur le développement des jeux indés, moi qui suis fan de jeux indés. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'un jugement aussi envers les gens qui ne sont pas fans de certaines productions indépendantes, mais à l'heure actuelle, dire « je n'aime pas les jeux indépendants », ce n'est objectivement pas possible, tout simplement pour le fait que il peut y avoir des jeux indépendants en 3D, il y a des jeux indépendants qui sont en photoréaliste. Si vous aimez le photoréalisme, il existe des jeux indépendants de toutes sortes, des RPG, des jeux en 2D, des jeux des shoot'em up, etc. Et je pense qu'il y a vraiment un problème d'éducation sur ce qu'est le jeu indépendant à l'heure actuelle. Beaucoup pensent que le jeu indé c'est forcément des jeux en 2D avec un gameplay tout pourrave. Absolument pas, le jeu indépendant, c'est simplement des jeux qui ont très peu de budget et qui sont réalisés par des plus petites équipes et qui ont le plus souvent en fait beaucoup plus d'intelligence et de construction que la majorité des jeux AAA à l'heure actuelle qui sont des ressucés année après année. Mais ça encore une fois, ça dépend aussi de la sensibilité de certains. Et en fait, je pense que le problème vient aussi des créateurs de contenu qui ne partagent pour le clic au final que des grands jeux qui sont à coût de millions et de millions de dollars de communication et qui ne partagent certains jeux que parce qu'il y a des OP derrière. Personnellement, c'est quelque chose que je m'emploie à faire depuis le début de la chaîne, vous partagez des petits jeux, des gros jeux, des moyens jeux sur peu importe la plateforme. Vous le savez, si vous me suivez aussi sur OMB TV ou en stream, on stream de tout, on stream de toutes les plateformes et je n'ai à l'heure actuelle évidemment pas envie d'arrêter, quand bien même les jeux indépendants sont beaucoup moins regardés sur la chaîne et génèrent très souvent quasiment
rien du tout en termes de revenus, parce que c'est pas le but. Le but, c'est de vous faire découvrir des choses. Et quand je vois le nombre de mails que vous m'envoyez pour me remercier sur des découvertes comme Gris ou des jeux qui vous ont extirpé des émotions particulières, moi, c'est mon plus beau cadeau par rapport à ça, et ça le restera ad vitam aeternam. Donc voilà, gaming news un peu long, j'en ai totalement conscience, mais qui me semblait relativement important à développer. Alors encore une fois, vous le savez, mes gaming news sont pas écrits, moi je fais tout au naturel comme d'hab. Donc du coup, le sujet PlayStation, je l'ai traité comme ça me venait. J'avais lu les articles auparavant, je voulais absolument mettre des choses. Peut-être que j'ai oublié certains détails que je voulais absolument mettre en avant. Peut-être que j'ai pas tout traité, toutes les déclarations, etc. Mais je pense que vous avez la coque du contenu et de ce que je voulais dire en termes général. Bref, merci d'avoir suivi ce Gaming News qui était beaucoup plus long que d'habitude. Je voulais faire 12-15 minutes, je crois qu'on approche des 25-30. C'est pas grave, peu importe. J'espère que vous le partagerez, j'espère que vous le serez beaucoup à commenter. Et je vous fais des gigantesques bisous. Je vous passe une bonne journée. Merci d'avoir regardé celui-ci. On se retrouve demain pour d'autres actualités. D'ailleurs, j'en ai déjà de côté pour demain. Et puis, écoutez, prenez soin de vous, sortez couverts. C'était EMB. Salut, salut. Thank you.